Autrement dit, alors là, me réveiller. Les IH à 100 millions. Les IH échappent à l'ISF. Alors j'ai dit, comme au 36 quai des Orfèvres, justement, ils en ont parlé, mais là, c'est une histoire de viol. Ce palais de 36 kilos de chenouf. Autant de symboles, de signes extérieurs. Les lingots d'or, les yachts, les jets privés. C'est du patrimoine taxable des grandes fortunes. À en croire la majorité, le gouvernement aurait péché par excès de simplicité. L'idée n'était pas de faire échapper les yachts à l'imposition. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire simple. C'est-à-dire que c'était l'immobilier d'un côté, le reste de l'autre. Et le problème va au-delà du symbole. Le nouvel ISF ne devrait presque plus toucher les plus riches. Le patrimoine des milliardaires pas marre d'être con. Composé qu'à 20% de biens immobiliers. 80% de pas, j'avais dit à mon patron, mais au fait, sous que con, ça dure moins longtemps. C'est la science de l'éther. Vous allez évidemment toucher les patrimoines moyens de gens qui, au fond, n'ont rien à faire dans cette enfin, qu'est-ce que c'est qu'un petit yacht à 100 millions d'euros? Les députés de la majorité envisagent de modifier le texte à l'Assemblée. Le mec, il n'a même pas de quoi s'acheter une baguette de pain. Allô, réveil, ring ring. Planète Triso, planète Lexo. Moi, la télé, je la décortique. Tous des pédalos. Ils ne se souciaient pas assez des classes plus populaires. Donc, ils ont ça en fait. Alors, on peut regretter une maladresse d'ailleurs, même dans la Comme défense, on entend le député Barbara Pompili qui parle de simplicité, de simplification. C'est un petit peu court comme justification. Mais on imagine que là aussi. Et il faut voir la carte grise de ton pédalo là. L'assurance de ton zodiac. Là. Non. Arrive. Oui, c'est...